Bonsoir. Alors, vous aimez la cuisine française? Si no la conocen, hoy tendrán la oportunidad de descubrir una suculenta especialidad provenzal, la bouillabaisse. Por fin, nuestros amigos van a dar con el restaurante ideal. Siguiéndolos en su gira gastronómica, aprenderán ustedes a dar su opinión y a burlarse de alguien. La lección de hoy se compone de el reportaje 3 minutes avec un chef cuisinier, la segunda parte del episodio Et maintenant, à table, y la secuencia Regard sur la langue, en la que aprenderán a utilizar las construcciones comparativas. Nous sommes dans les cuisines du restaurant La Grand Voile. Monsieur Capa, bonjour. Bonjour. Vous avez une belle cuisine. Ah, c'est mon domaine, monsieur. Voilà mes fourneaux, mes collègues. Il y a longtemps que vous êtes ici? 15 ans, monsieur. 15 ans? Ah, ça vous étonne. C'est qu'il y a longtemps que je suis dans le métier. Et j'ai même débuté à 14 ans comme apprenti. Et pourquoi avez-vous choisi cette profession? Parce que, monsieur, de tout jeune, j'aimais déjà bien manger. C'est qu'il faut aimer manger dans ce métier, sinon... Eh bien, dites-nous en quoi consiste votre travail. Eh bien, voilà. Le matin, j'arrive vers 8h30, je fais les menus du jour, je commande la viande, les poissons, les légumes... Ensuite, on prépare tout ce qu'il faut pour faire la cuisine. On épluche les légumes, l'oignon, le persil, l'ail. La cuisine, ça vient après. Vous servez combien de couverts par jour? En été, 200, monsieur. Et vous n'êtes que trois pour faire tout ça? Ça doit être dur. Eh oui, c'est un métier pénible. Nous travaillons 12 heures par jour et souvent même le dimanche. Allons, il y a bien quelques satisfactions. Ah oui, c'est un beau métier. On est son propre patron et puis on peut créer. Vous voulez dire créer de nouveaux plats? Oh, ça vient comme ça. J'y pense et un jour j'ai envie d'essayer. Tenez, aujourd'hui par exemple, je voulais composer un plat de poisson léger et frais pour l'été. Je voulais marier du saumon cru avec des coquilles Saint-Jacques. Oh, ce n'est pas tellement nouveau, mais j'y mets un petit condiment à ma façon. Vous voyez, j'ai mis quelques tranches de saumon, des coquilles Saint-Jacques coupées bien minces. J'y ajoute du citron jaune, du citron vert, un peu d'huile d'olive, d'olive surtout, un peu de poivre, un peu de sel, un peu de coriandre et... des condiments à ma façon. Vous verrez, c'est délicieux. Nous goûterons tout à l'heure. Il faut servir bien frais avec du pain grillé. Et vos clients, qu'est-ce qu'ils en disent? Mes clients, ils se régalent. Ils viennent et ils reviennent. Radio Rivage. Bon. Où en sommes-nous de l'enquête sur les restaurants de la côte? Chacun son tour. Laurent? Moi, j'avais décidé d'essayer un petit restaurant qu'on m'avait recommandé. Mm-hmm. Pas possible. Tenez, regardez. Et ça sent mauvais. Mmh, oh, quelle horreur! On devrait demander une analyse à un laboratoire. Non, laisse tomber, moi. Et toi, Bernard? Ben, moi, j'ai trouvé un restaurant très intéressant, mais le prix, terrible. Combien? 1100 francs. Fais-moi voir l'addition. Mais, vous étiez deux? C'est-à-dire, j'ai goûté un peu à tout, pour des raisons professionnelles. Mais dis-donc, Martine, ton addition n'est pas mal non plus. 4 hors d'œuvre, 2 viandes, 2 poissons. Vous étiez combien, vous? Ça ne te regarde pas. J'étais seule, si tu veux savoir. Mais j'ai dû goûter à tous les plats par conscience professionnelle. Comme moi? Ouais. Alors, ça marche votre enquête sur les restaurants? Pas terrible. Vous connaissez la mère Potiron? C'est pas le plus grand, mais c'est le meilleur restaurant de la région.
En tout cas pour moi. Si vous êtes libre, je vous y emmène ce soir. D'accord. Parfait. Ok. Dis-moi, Martine, ça ne t'ennuie pas si j'invite mon assistante ce soir? T'as quoi? Tu avais raison tout à l'heure. Nous étions deux au restaurant. Ah. La jeune femme avec laquelle j'ai dîné a un goût excellent. Et ses avis m'ont été très utiles. Je suis sûr qu'elle te plaira beaucoup. Ça m'étonnerait. Ne vous fatiguez pas, la mère Potiron, elle s'en moque complètement des journalistes. Ah bon? Mes amis, je vous présente la mère Potiron, la meilleure cuisinière de toute la région. Bon, assez de compliments, petit. Ce soir, j'ai préparé une bouillabaisse. Qu'est-ce que vous en dites? Ah, parce que, il faut que je vous explique, ici, c'est moi qui décide ce qu'on mange. Et il faut pas me contrarier. Le petit vous le dira, j'ai mauvais caractère. C'est charmant ici. Ça me rappelle la maison de mes grands-parents. Vous m'excusez? Oh, c'est charmant ici. Ça me rappelle la maison de mes grands-parents. Tu parles? Oh, Martine, ne sois pas méchante. Oh, toi, tais-toi. J'ai un petit vin de pays pour l'apéritif. Vous allez m'en dire des nouvelles. Voilà. Merci. Voilà. Oh, 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 je suis désolée. Mais le rouge sur du blanc, c'est très joli. Quand j'étais petite fille, il y a bien longtemps, ma grand-mère préparait déjà la bouillabaisse. C'est elle qui m'a donné la recette. D'abord, il y a les poissons. Regardez, c'est beau rougé, c'est rascasse. Ensuite, l'ail, les différentes herbes. Mais ça, c'est mon secret. Allez, allez-y, la bonne cuisine, il ne faut pas la faire attendre. Que c'est bon. Et c'est plus sympathique qu'un restaurant 3 étoiles. Et moins cher? Excellent. Non, c'est vrai. D'accord, tu nous diras plus tard. Bon, assez de compliments. Mangez. Je crois que cette fois, on le tient, notre restaurant numéro 1. Nice Matin reprend notre enquête de Lyon Matin et elle est aussi dans le Dauphiné, la Dépêche et Corse Matin. C'est un succès formidable. Petit. Eh bien, dites, vous m'avez fait un drôle de cadeau avec votre histoire de journal. Oh. Oui, avant, j'étais bien tranquille. Maintenant, les gens, je ne sais plus où les mettre. Mais pour vous, il y aura toujours de la place. Vous mangerez avec moi à la cuisine. Ça vous dérange pas, au moins? Pas de problème. Non. Et la petite jeune fille qui était avec vous, elle n'est pas revenue?
Non, elle a eu peur pour sa robe. N'est-ce pas, Bernard? Allez-y. Ah, merci Télémax, je cherche un restaurant pour ce soir. Mais dites-moi Laurent, vous avez mangé au Pirate? C'est bien comme restaurant? Pas très bon. Ah. Mauvais même, je dirais. Martine, vous avez déjeuné à l'auberge du Feu de Bois, comment c'était? C'était bon. La cuisine était soignée et le cadre agréable. Et vous, Bernard, vous étiez à la Colombe avec cette jeune fille. Comment c'était? Avec la jeune fille? Non, je parlais du restaurant. Ah, le restaurant? Ah, très bon. Excellent même. Mais entre nous, un peu cher. Très bon, bon, pas très bon. La Colombe, très bon, très cher. Au Feu de Bois, bon, cher. Le Pirate, pas très bon, pas très cher. Le meilleur restaurant, c'est la Colombe. Mais c'est aussi le plus cher. Le moins bon, c'est le Pirate. Mais c'est aussi le moins cher. Le moins cher, c'est le moins bon. Stéphanie, quel est le plus cher? La Colombe, c'est évident. Ce restaurant est plus cher que le Feu de Bois et bien plus cher que le Pirate. Et maintenant, quel est le moins cher? Tu sais, Stéphanie. Mais oui, le moins cher des trois, c'est le Pirate. Oh, mais c'est si mauvais. Plus cher, moins cher, le plus cher, le moins cher. Stéphanie, où veux-tu aller dîner? À la Colombe ou au Feu de Bois? Mais à la Colombe, avec toi. C'est plus cher qu'au Feu de Bois, mais c'est meilleur. Eh bien, c'est d'accord, nous irons à la Colombe. Tu m'invites vraiment encore, Pierre? Oui. Oh, tu es le plus gentil, au superlatif. Le plus intelligent de nous deux. Télémax, tu es peut-être le plus intelligent, et ça, c'est pas sûr. Mais en tout cas, tu n'es pas le plus aimable. Mais ma musique est plus jolie.